Magnifique de laideur, à Paris, le 13e arrondissement est un quartier de hangars, de voies ferrées, d'usines désaffectées. C'est pourtant ici qu'un homme a choisi depuis plus de 20 ans de vivre et de travailler dans des studios entièrement aménagés par lui. Cet homme, nous l'appellerons Jean-Pierre Melville. Merci beaucoup. 17h10. Melville range sa voiture devant l'entrée de son studio. Une Ford Mustang munie d'un lecteur de cassettes et des derniers perfectionnements de l'industrie américaine. Le voici, cette sonne et trench coat. Nanny, s'il vous plaît. Oui, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'a dit M. Dorfman ? Il m'a dit qu'il me rappellerait. Il ne vient pas ? Non, ce n'est pas possible. Merci. Première pause, le businessman. Décor feutré, tout de sobriété ostentatoire, dans les teintes tilleul et tabac. Sur un coin de table, une lampe chinoise évoque le faucon de Malte et, à travers lui, la longue tradition du film noir américain. Rien ici qui ne signale le calme, la méditation et le travail, jusqu'au savant désordre qui règne sur le bureau. Demain, si vous avez une minute, vous serez gentil, vous me mettrez de l'ordre sur mon bureau. Regardez, écoutez. À 53 ans, l'homme que vous avez sous les yeux a réalisé 12 films, dont les plus connus sont évidemment les plus récents. Le Doulos, le Samouraï, le Cercle Rouge. En ce moment, il fait semblant de travailler, et dans quelques instants, feignant de l'interrompre, l'intervieweur va lui poser sa première question. Monsieur Melville, vous êtes, je crois, le seul réalisateur français qui est tenu à avoir ses propres studios. Je ne suis pas le premier, j'ai été le seul, mais avant moi, il y a quand même eu Émile Cousinet et Marcel Pagnol. Et il y a eu le dernier, juste avant Pagnol, à abandonner. Lui aussi, ça a été Charlie Chaplin. Car il faut être complètement fou pour avoir ses propres studios. Pourquoi il faut être fou ? Il faut être fou pour faire du cinéma, de toute façon. Mais avoir ses propres studios, c'est un souci constant. C'est incontestablement une situation de rêve en même temps qu'une vie de cauchemar. C'est merveilleux parce que j'habitais à l'étage au-dessus et à 3h du matin, je descendais sur le plateau, éclairais la scène du lendemain et je faisais la lumière pour le lendemain et je faisais la mise en scène du lendemain. J'aimerais que vous nous fassiez un petit peu l'historique de ce studio. Bon, une fois que vous avez pris la décision, en quelque sorte... D'avoir un studio. C'était dans la nuit du 10 au 11 mai 1944. Que j'ai vraiment pris la décision d'avoir un studio. J'étais au bord du Garigliano, l'offensive se déclenchait à 11h du soir. Feu d'artifice qui a commencé, mortel pour les autres, et qui ne s'est arrêté qu'aux toutes petites heures du matin. J'ai eu vraiment le sentiment, d'une part que la guerre allait finir, mais d'autre part aussi qu'elle était gagnée. Depuis le début de la guerre, je me suis surpris à faire des projets, dans cette nuit-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, eh bien, peut-être que je ne serai pas tué, peut-être que la guerre se terminera comme je le crois ce soir. La première chose que je ferai en arrivant à Paris, je chercherai un local pour installer des studios. Et puis, dans ce hall d'usine désaffectée, j'ai commencé petit à petit d'installer des structures d'un studio. Et j'y suis arrivé pendant beaucoup d'années. Et enfin, 56, c'était un studio, un vrai. Et puis un beau jour,
un beau jour, tout a brûlé. Pendant un an, je n'ai pas pu remettre les pieds ici. Et puis, très exactement un an, jour pour jour après, je me suis dit, c'est trop bête. Je n'ai pas à avoir peur des ruines, je vais y aller. Et puis, j'ai fait commencer par construire un mètre hors d'eau, comme on dit. Alors ici, ça n'en a pas encore l'air, mais ce sera une salle de projection. C'était le plateau A, avant. Là, l'écran pour quatre formats, scope, 1,85, 1,66, 1,33. Alors cette belle composition abstraite, c'est l'incendie qui l'a faite. Et je pense que Cocteau aurait trouvé ça très beau. C'est pas du tout par hasard que je parle de Cocteau, c'est parce qu'à cet endroit précis, en 1949, j'avais un tout petit plateau, un petit auditorium, dans lequel j'avais tourné une grande partie des Enfants Terribles. Et je me souviens d'un jour où j'ai fait courir Cocteau ici autour du micro avant d'enregistrer son cœur. Le cœur qu'on entend à un moment donné battre dans la poitrine d'Edouard Dermite dans Les Enfants Terribles. Deuxième pause, le manuel. Le montage, dit Melville, est après l'écriture le second moment fort de la réalisation d'un film. Là, le son est meilleur. Non, on va écouter que celui-là, on va écouter l'autre. Les deux moments majeurs de la réalisation d'un film, pour moi, sont d'abord l'écriture, seule, dans ma chambre, et puis ensuite le montage. Alors le montage avec les monteuses, et puis aussi le montage seul. Et dans le montage, la nuit aussi. Autrement dit, les moments forts, comme nous les avons appelés, ce sont les moments de solitude vis-à-vis de ce que vous avez Absolument. Fait. Alors ici, tout seul, la nuit, chez moi, c'est formidable. Il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de visite, il n'y a personne. Bon, imaginez ce que ça peut donner, ça, dans la nuit. Tilly, à 1 heure de voiture de Paris.
J'aime beaucoup les grands espaces. C'est très difficile de trouver, dans l'Île-de-France, enfin dans la banlieue lointaine de Paris, des endroits qui donnent le sentiment de l'immensité. Et après avoir visité 115 maisons exactement en 3 mois, j'ai trouvé celle-là qui n'était pas belle, qui est une petite villa au bord de la mer, sans mer, mais avec ça, avec plus de 220 degrés, sans rien que le ciel et la ligne d'horizon. L'espace, l'éloignement, un paysage de western. Le décor est planté pour la 3e pose, celle du grand solitaire qui écarte les honneurs. Alors voilà, le calme, la solitude, bien sûr, pour travailler, pour écrire. C'est ma 2e chambre, ça. Alors ce que j'aime aussi, surtout, beaucoup, bien sûr, c'est l'obscurité. Parce que si je commence à écrire la nuit, il ne faut pas que je sois tout d'un coup distrait par le soleil, par le jour qui se lève. Alors j'ai inventé ce système de volets. Je ne l'ai pas fait breveter, mais je l'ai inventé. Qui fait que je suis vraiment dans le noir absolu quand j'écris dans la journée et que je ne veux pas dormir ni me reposer parce que j'ai commencé quelque chose que je veux finir. Alors, comme ça, je suis vraiment dans le noir absolu et je peux écrire. Bien sûr, il y a un autre système aussi pour être dans le noir absolu. C'est pas tellement facile pour écrire. C'est ça. Paris, 7h du soir. Quelques heures plus tard. Tandis que la ville dort, Melville tient la pause. Hier soir, il a dîné dans un restaurant chinois. Un vrai, comme le tapis qui est sous ses pieds. Vous remarquerez le confort de la robe de chambre. De chez Campigny. Il est près de 3h du matin. Jean-Pierre Melville, il est près de 3h du matin. Et nous sommes chez vous, nous vous voyons travailler la nuit. Est-ce que c'est un goût particulier pour la nuit ou bien est-ce que vous ne pouvez pas travailler le jour ? Je ne peux pas travailler dans la journée, je ne peux pas écrire dans la journée. Je ne suis jamais arrivé de ma vie entière à écrire dans la journée. Je prends quelquefois des notes, mais si je veux, par exemple, écrire une continuité, ce qui est bien entendu ce que j'essaye de faire depuis 25 ans, je suis obligé de me concentrer, de retrouver une attitude fétale dans un milieu bien fermé, bien obscur, bien à moi tout seul. Et pour ça, il n'y a vraiment que sa chambre. Avec des doubles fenêtres, des rideaux épais, des persiennes. En plus, bien entendu, il y avait mon goût pour le noctambulisme, qui tout d'un coup a été converti aux alentours de la fin de l'année 1956 dans un noctambulisme de chambre. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout ni besoin, ni envie de sortir, ni de me retrouver jamais dans des endroits de nuit. Ce qui n'empêche que jusqu'en 1956, je traînais. Je ne pouvais pas aller me coucher. Le nombre de fois où
Auguste Le Breton et moi, par exemple, nous avons pris un petit déjeuner après une nuit sans sommeil à la terrasse du Pigalle, place Pigalle, c'est qu'on attendait le premier rayon du soleil pour se commander un café crème, et on se quittait à ce moment-là, on allait se coucher. Et c'est incontestablement le goût pour la nuit. C'était le goût pour la nuit, parce que je n'ai plus tellement le goût de la nuit à l'extérieur. C'est pour ça que je n'habite plus Paris, j'habite à la campagne, parce que j'ai besoin maintenant du soleil, j'ai besoin des arbres, j'ai besoin des oiseaux, j'ai besoin des animaux. Et ça m'aurait semblé absolument impossible, il y a encore 20 ans, de vivre un jour à la campagne. Si on me l'avait dit, j'aurais souri. Et pourtant, ça complète bien votre goût, par exemple, du cinéma américain. Car le cinéma américain, qu'est-ce que c'est? C'est la nuit. Les oui. Films noirs, New York, la nuit, etc. Et c'est la campagne, l'Ouest. Sûrement. Sûrement, regardez comme par exemple Asphalt Jungle de John Huston réunit les deux. Intarissable, Melville parle toujours. Mais tout d'un coup, la Warner avait un style parce que James Cagney, Pat O'Brien, George Brent, Allen Jenkins dans un film, ça faisait le style d'un film. C'était new-yorkais, c'était distingué grâce à George Brent, c'était tendre ou pathétique grâce à Pat O'Brien, c'était brutal et un peu canaille grâce à James Cagney, c'était drôle grâce à Hugh Herbert ou à Frank McHugh, c'était irlandais grâce à Allen Jenkins, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je trouvais que les films de la Warner étaient plus près de moi. Je suis un enfant du 9e arrondissement, enfin je suis originaire d'Alsace, mais je suis né dans le 9e arrondissement, et cinq heures, le jour se lève. Fidèle à ses personnages, Melville l'insomniaque, ne s'est pas couché. Dans quelques instants, il va interpréter pour nous sa scène favorite, celle d'un homme qui rêve de l'Amérique et de son cinéma. Mythologie de seconde main qui le conduira à l'utilisation progressive des stéréotypes du cinéma américain. Il s'en expliquera.
of my mind. People stop and stare, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Maintenant, les pauses vont s'enchaîner. Le passéiste, le perfectionniste et, bien entendu, l'auteur de film. Première expérience, le silence de la mer. Je me nomme Werner von Ebernack. Je suis désolé, Ce qui m'avait séduit dans Le silence de la mer, c'était cette idée du monologue, de cet homme qui parle à un vieil homme et à une jeune fille qui ne lui répondent jamais. Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. Que saviez-vous du cinéma, hors ce que vous aviez vu? En dehors de ma science de spectateur? Oui. Sur le plan technique? Oui. Ah, je savais tout. J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. Dans ma chambre, mais je ne connais pas le chemin. Le soir même, j'ai reçu un coup de téléphone de Cocteau. Et son nom, on déjeunait ensemble chez Véfour. Il m'a demandé de faire Les Enfants Terribles.
Voilà ce qu'il faut, voilà. Il faut rendre la vie invivable. Il faut dégoûter la vie. Il faut dégoûter le drame et qu'il m'expulse, qu'il ne me supporte plus. Il faut que le drame me crache à la figure. Il faut être laid à faire peur. Donc Cocteau voit le silence de la mer, l'aime, et vous propose les enfants terribles. Il me demande de faire les enfants terribles. Il ne me le propose pas, il me demande de le faire. Elle va me tuer. Elle devient folle. Au secours. Non, ma fille, je ne deviens pas folle. Tu te trompes. C'est toi qui deviens folle. Moi, il faut que j'arrive à tenir jusqu'à la fin. Et la fin traîne et je dois la vivre. Et ce n'est pas commode. Folle. Folle, écoute-moi, regarde-moi. Folle, tu m'écoutes? Je sais que tu m'écoutes. Fais un effort. Ne lâche pas, Alphine. Calcule avec moi. Calcule, additionne, multiplie. Je t'emmène. Arrive, arrive. Marche, marche et calcule. Ne lâche pas le fil. Avance, avance. Je souffle, te charme. Je t'hypnotise. Ça s'est passé, enfin l'entente avec lui. Oh ben, comme toutes les histoires de cinéma, vous savez, avant on est frères, pendant on se fâche toujours, ben, nous ne faisions pas le film ensemble, j'étais seul à faire le film, qui venait très souvent parce que Edouard Hermite jouait et qu'il avait très peur du résultat puisqu'il m'avait imposé Edouard Hermite, que je n'avais en tout cas pas choisi, mais au dernier moment, car je n'avais pas acheté les droits de Cocteau 15 jours avant le premier tour de Manivelle. Et quand j'ai déposé mon dossier au Centre National du Cinéma, il a fallu bien entendu que je montre que j'étais en possession des droits. Il a donc fallu que Cocteau me fasse un contrat de cession. Et c'est à ce moment-là, dans le contrat de cession, que Cocteau a mis, troisièmement, le rôle de Paul sera tenu par Édouard Hermite, ce dont il n'avait jamais été question avant. C'est une condition sine qua non. Et moi, j'avais déjà signé mon contrat de distribution avec Gaumont. Bon, je suppose qu'il y a eu un premier tirage à ce moment-là. Il y a eu un premier tirage à ce moment-là, 8 jours de tournage, et puis projection de tout ce qu'on a tourné. Et je demande à Lulu Vatier, qui était l'agent de Cocteau, d'assister à cette projection pour lui montrer à quel point c'était catastrophique. Et je me souviens que Cocteau s'est levé avant que la lumière ne soit rallumée dans la petite salle de projection de chez Gaumont, rue Colincourt, il a dit « Eh bien, moi, depuis Mouna Sully, je n'ai pas vu jouer comme ça. » Voilà, il n'y avait plus qu'à tirer l'échelle, comme il disait. Je voulais le tourner en 1930. J'avais 13 ans ou 12 ans et demi quand j'ai lu le livre. Et j'étais élève à Condorcet. Et bien entendu en hiver, car c'était de tradition, nous nous battions aux boules de neige dans la cité Montier. Il a fini par m'en dissuader en me disant « Non, ne fais pas ça. Bébé est mort. Christian Bérard venait de mourir très peu de temps avant. Il me disait « Bébé aurait dessiné des costumes extraordinaires. Il est mort, ne le fais pas. Personne ne peut dessiner ça. » Qu'est-ce que c'était? Les enfants terribles étaient en peignoir de bain, du début jusqu'à la fin à peu près. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Mais je me suis arrangé quand même de telle façon que ça n'a absolument pas l'air d'être en 1949. Mince, il saigne. Faites de gaffe!
plutôt venez ici? Vous connaissez bien votre studio? Oui, bien sûr. Très souvent. Quasi quotidiennement. Et je l'aimais beaucoup. En dehors du premier jour de tournage, où il a dit couper, je me souviens. Et où j'ai fait une scène terrible, il m'a dit seulement pardon, je ne peux plus jamais dit comprendre, mais c'est parce que avant-hier j'ai encore dit couper pour Orphée, c'est pour ça que j'ai dit couper. C'est vrai, il avait juste terminé Orphée 2 jours plus tôt. En dehors de ce jour-là, qui était le premier jour de tournage, et en dehors d'un autre jour, rue d'Anguin d'ailleurs, où je l'ai, fallait-il vraiment oser, où je l'ai mis à la porte, où je lui ai dit je te prie de quitter le plateau, et je ne tournerai pas avant que tu sois parti. Il est parti. Et alors il est resté pendant toute la nuit dans un petit bistrot de la rue d'Anguin à côté. Puis le lendemain, il n'est pas revenu, il n'a pas osé revenir sur le plateau. Il est resté dans le petit bistrot en bas. Et bien entendu, au bout d'une heure, je suis allé le chercher en lui disant reviens. Alors dans ces cas-là, bon, embrassade et on ne se quittait plus. On restait le bras dans le bras pendant toute la soirée. Et vous parliez du film en train de se faire? Quand on était ensemble? Oui, à ce moment-là. Non, on parlait de tout. D'abord, vous savez, Cocteau était intarissable. C'était la plus belle machine à raconter que j'ai connue. Cocteau adorait les faux mots d'enfant qu'il faisait lui-même. Cocteau me disait, j'ai une petite nièce qui a fait un devoir l'autre jour. J'ai lu son devoir, c'était extraordinaire. On lui demandait de faire une définition de l'hiver et elle avait dit, elle avait écrit, en hiver, la forêt est en bois. Bon, bien sûr, c'était pas une petite fille qui avait écrit ça. C'était Cocteau, enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça que Cocteau racontait. Cocteau m'a quelquefois raconté des histoires, un an après, que je lui ai raconté moi. Mais il les racontait infiniment mieux. Alors ici, ce fut, il y a 21 ans, l'endroit où, par exemple, j'ai tourné une scène avec... Monsieur, c'est pas la peine de vous déranger, je le reconduirai à la maison. Je vous laisse regarder plein de reprendre des forces. 34 rue du Rocher. Taxi G7, avec les vitres pleines de neige et la voix de Cocteau, enfin, Édouard Dermite et Jacques Bernard dans le taxi, c'était ici, je me souviens. Paul meurt. Paul va mourir. Il n'y croyait pas. Cette fausse mort de Paul lui semblait la suite naturelle d'un songe. Un voyage sur la neige, enfermé dans le givre, et qui durerait toujours. Sans Paul, cette voiture eût été une voiture. Ces vitres aveugles, des vitres aveugles. Cette neige, de la neige. Ces pompiers, des pompiers. Je ne l'ai revu que pendant cette merveilleuse émission de Roger Stéphane, où il était si beau, où il était si bien habillé, où tout d'un coup, il regardait l'objectif en disant à Picasso, tu vois, Pablo, tu me reproches de ne jamais te regarder dans mes émissions, et bien là, je te regarde. C'est très beau. Bon, alors après les enfants terribles. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'abord? Après les enfants terribles, vous étiez parfaitement libre. Après les enfants terribles. D'entrer dans le système. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je cesse. Je me suis rendu compte, avec erreur, que je devais tout de suite et vraiment très vite cesser de passer aux yeux de la profession pour un intellectuel. C'était à l'époque extrêmement mal vu. Non pas que je sois un intellectuel. Mais je passais pour un intellectuel. Et Le silence de la mer, Les enfants terribles m'avaient définitivement enfermé dans un ghetto. Pour le reste de la profession, j'étais un monsieur qui ne pouvait faire que ce genre de cinéma-là. Alors j'ai choisi un sujet pas du tout déplaisant, bien écrit par Jacques Deval, mais j'ai essayé de le tourner différemment. C'est-à-dire j'ai essayé de le tourner complètement à la française, avec le minimum de choses ambiguës, avec le maximum de choses explicites, explicables, expliquées. Et je dois dire que là, ce jour-là, enfin le jour où j'ai décidé de faire ce film, manquait terriblement d'audace et de courage. C'était mon troisième film, et je me disais, il faut quand même que je sois accepté par cette profession. Je ne peux pas rester ce franc-tireur isolé, complètement isolé, que j'étais en 49, en 50, en 51 et en 52. Bon, nous savons pourquoi, c'est parce que c'est toujours la même histoire, la fantastique influence que le cinéma américain a eue sur moi, d'une part,
puis mon goût de la lecture d'autre part, faisait que je ne pouvais pas faire le cinéma quotidien français. Bon, le cinéma américain, bah vous savez, ça va jusqu'à le goût que j'ai d'être ici, par exemple. Parce que là, juste au-dessus de ma tête, bah, y a un petit coin qui ressemble étrangement à Hoboken, qui est ce faubourg de New York de l'autre côté de l'Hudson, où Sinatra est né, et que j'ai montré rapidement dans L'Aîné des Fers Chauds. J'avais une sorte de petit documentaire d'une minute à peu près dans L'Aîné des Fers Chauds sur Hoboken. C'est parce que ce quartier-là n'est pas trop spécifiquement en Champs-Élysées que j'y suis. C'est un petit peu à cause de ça que j'ai eu besoin, tout de suite après, quand tu liras cette lettre, de reprendre un bain de pureté et de tourner Bob le Flambeur, ici, bien entendu, complètement. Un élément qu'on pourrait appeler la nostalgie. Bob le Flambeur, c'est la nostalgie d'une certaine avant-guerre à Paris, de même que Deux Hommes à Manhattan sera la nostalgie déjà de l'Amérique, et que de plus en plus vos films seront en référence à cette nostalgie. On peut dire ça, je crois. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que cette nostalgie n'avait pas encore montré le bout de son nez, parce que quand même, dans Le Silence de la Mer, c'est très nettement la nostalgie de cette période, de la guerre. Les enfants terribles, bah, c'était bien entendu la période de mon enfance. Donc je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites que c'est avec Bob que j'ai fait la découverte, dans mes films, de la nostalgie. Non, je crois que je la porte tout à fait en moi. Je suis un homme du passé, je suis un passéiste. Comme on dit, j'aime infiniment plus ce qui est arrivé aux hommes et aux femmes de ma génération que ce qui leur arrive maintenant. Bon, dans Bob... Messieurs, faites vos jeux. Les jeux sont faits, les jeux sont marqués. Rien ne va plus. Dans Bob, c'était la pluie de mon enfance, c'était le Deauville de mon enfance. 9 au premier, 8 au second. On fait partout. Le banco de Citroën, la gifle que Mme Citroën avait donnée à Citroën devant tout le monde, au privé de Deauville, etc. Enfin, c'était Deauville, tout ce que je connaissais de Deauville. J'étais rentré, bien entendu, déjà plusieurs fois dans le casino avec mes parents, mais... Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Je n'ai jamais su ce que c'était que jouer. Même quand j'ai tourné Bob le Flambeur, je ne savais pas qu'il fallait une autre combinaison que le 9 pour gagner au baccarat. 8 au premier. 4 au second. Messieurs, faites vos jeux. Marquez vos jeux, s'il vous plaît. Excuse me, can you tell me where is Middle Avenue, please? Sure, go straight down the street, three blocks. Turn right, go one block, and then turn left. Yeah. You can't miss it. Thank you. You're welcome. Bye. Voilà. Mmh.
Ridgewood Tavern, Rathkeller, c'est là. Hey, where are you gentlemen going? Do you mind leaving your coats with the hat check girl? Deux hommes dans Manhattan, vous avez tout à coup changé d'opinion vis-à-vis de votre carrière. Qu'est-ce qui a déterminé cette décision? Bon, tout simplement, l'amertume après l'échec. Deux hommes dans Manhattan étant un film que les gens n'ont pas vu, je peux même pas dire que les gens ne l'ont pas aimé, non plus. Alors j'ai essayé d'analyser les raisons qui avaient fait de Deux hommes dans Manhattan un cassage de gueule. Et j'ai fait une sorte de liste des choses qu'il ne faut pas faire. On ne peut jamais connaître la recette vraie et positive, mais on peut arriver à dresser une liste des choses qu'il ne faut en tout cas pas faire. Et alors, quelle était cette liste, grosso modo? Alors d'abord, la flânerie, les deux personnages baladeurs dont vous avez parlé vous-même. La quête, le principe de la quête, ça ne tient le coup que très rarement, et encore faut-il qu'au bout de la quête, il y ait quelque chose de formidable. Or là, c'était pas formidable au bout de la quête, bien sûr. On trouvait l'homme qui avait disparu, on connaissait sa raison, qui était une raison extrêmement sordide de sa disparition, et puis bon, au travers de quelques personnages pittoresque et de quelques décors pittoresques de New York nocturne, on faisait une balade. Il faut pas se balader dans un film, c'est défendu. Ça, je crois que c'est défendu. Alors depuis, je me balade plus. Parmi les choses que vous êtes juré de ne pas refaire, est-ce que ce n'est pas aussi un film sans vedette? Ah non, je crois au film sans vedette. Je crois absolument qu'on peut faire un film sans vedette qui marche. Oh non, ouais, ce serait abominable alors. Si je pensais qu'on ne peut faire que des films avec vedettes, non, c'est pas du tout pour ça que je fais des films avec vedettes. Je vous assure que j'ai toujours voulu faire des films avec vedettes, même à l'époque où je faisais des films sans vedettes. Mais que ça n'était pas possible à cette époque-là. Si j'ai choisi Jean-Paul Belmondo, c'est tout simplement parce que c'était le seul qui, en 1961, était mon Léon Morin prêtre. Mais pas pour une autre raison, et pas du tout pour une raison de vedette, je vous le promets. Mais le risque est plus grand tout de même. Parce que si vous avez décidé tout à coup de vous lancer... Non, je veux pas que vous me disiez ça, parce que vous avez l'air de dire que c'est par sécurité personnelle que je prends des stars. C'est complètement faux. Non, je dis pas sécurité personnelle, je dis pour rendre efficace votre cinéma. Ah oui, ça je veux bien. Disons que mon cinéma est meilleur avec des stars que sans stars. Ça je le crois. Regardez bien cette scène de l'armée des ombres. Lino Ventura va jeter un dernier coup d'œil à la chambre qu'il doit quitter. Voici maintenant la même scène, mais avec Alain Delon dans Le Samouraï. Tout y est, le chapeau, le regard. Est-ce que lorsque vous découpez un film, ou alors à ce moment où vous tournez les plans, est-ce que vous ne vous dites pas tout à coup, mais c'est exactement le plan que j'ai fait dans tel film? Tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce que l'écrivain n'est pas obligé de se dire aussi tout le temps, mais cette phrase-là, je l'ai déjà écrite. Le nom n'était pas le même, le verbe n'était pas le même, et le complément direct ou le complément indirect n'était pas le même. Mais cette phrase-là, j'ai déjà écrite. Ça arrive obligatoirement tout le temps. Il est certain qu'il y a des plans qui reviennent toujours dans mes films. C'est l'espèce d'examen qu'un personnage se fait subir à lui-même en se regardant dans la glace. Et puis aussi un autre plan qui revient souvent, c'est le plan de l'homme qui quitte sa chambre ou sa maison ou son appartement en pensant qu'il n'y reviendra plus jamais. Souvent dans mes films, bon, bah, bien sûr, quand Bob regarde sa maison pour la dernière fois
avant de refermer la porte. Quand le samouraï regarde sa chambre une dernière fois et son oiseau avant de refermer la porte, etc. Ben, je le refais tout le temps. Au moment où je l'écris, je me dis pas obligatoirement « Tiens, je l'ai déjà fait ». C'est surtout au moment où je le vois en rush. Vous savez, le début d'un western, c'est toujours la même chose. C'est un cavalier solitaire sur un cheval qui traverse l'écran en scope ou pas en scope, pendant le générique, en dessous du générique, ou bien une diligence. Puis tout d'un coup, le cheval et le cavalier, ou la diligence et les passagers de la diligence s'arrêtent dans un village, descendent, il y a une étape, il y a un saloon à côté, puis ça commence comme ça. Et on est content que ça commence comme ça, et on a envie que les westerns commencent toujours comme ça. On a envie que les films policiers commencent aussi, toujours de la même façon, d'une certaine manière. À cet égard, j'essaye d'être le plus conventionnel possible. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Cercle Rouge, j'ai essayé de prendre des situations conventionnelles et puis de les transcender et d'essayer de les traiter d'une façon telle que les gens sont contents que ça commence comme ça et que ce soit comme ça et qui fait les asseoir mieux dans leur fauteuil. Ils prennent leur assiette, ils sont contents. Dans le contexte de la vie européenne ou française, c'est un petit peu difficile de faire du cinéma américain. C'est pour ça que je me défends bien de faire du cinéma américain. Ne pensez pas une seconde que j'essaye de faire du cinéma américain en France. Je sais très bien que je suis obligé de plier toutes les thématiques américaines à l'exigence du spectateur européen et du spectateur français. C'est-à-dire que j'interprète les grands thèmes américains à ma façon, et je l'ai fait avaler par le spectateur français. Je ne fais pas de cinéma américain du tout. Et vous en aurez peut-être la preuve un jour, si, comme je l'espère quand même, je tente une fois, ne serait-ce que pour voir une expérience américaine, c'est-à-dire faire un film américain. Là, je me déguiserai en cinéaste américain. Et tandis que l'intervieweur, devant la table de mixage, achève d'écrire les ultimes lignes de son commentaire, Melville prend sa dernière pause. Il faut, déclare-t-il, très immodestement, recréer un monde à sa propre image intérieure et en faire un système. Mon univers personnel est un univers réel dans lequel entre quand même, pour partie, un élément de spectacle. Puisque mes murs, mes meubles et mon cadre, c'est ce que j'aime regarder. À partir du moment où je regarde, ce que je vois, c'est du spectacle, même si c'est immobile. Même s'il n'y a pas d'auteur, mais j'ai choisi des meubles, j'ai choisi des couleurs de murs, j'ai choisi des objets. Alors cet univers réel est à l'origine de mon univers irréel dans mes films, puisque, et je ne le fais jamais exprès, on me le fait remarquer, on retrouve tellement souvent des éléments de décor sur mes plateaux, sur mes décors de films, qui existent chez moi. À l'état d'embryon, quelquefois, ou à l'état d'intention. Ce bureau-là, je sais très bien que sans l'avoir voulu, sans l'avoir fait vraiment exprès, ressemble à un décor qui est le décor de l'inspecteur général des services de la police dans le Cercle Rouge. Univers de fantasme où notre auteur multiplie les masques, les déguisements. Et derrière la façade de la rue Génère, dans le silence assourdissant de la gloire, l'homme qui a choisi de s'appeler Melville a mis au point son image de marque. Les lunettes noires, le Setson, le trench coat, le trench coat. Le nom, le fauné moral que l'on porte toujours, est peut-être même... Je ne suis pas sûr, comme je vous le dis, mais enfin, peut-être même ces lunettes, c'est le masque, l'espèce de cuirasse, l'espèce de bouclier du créateur. Mais je crois que la seule solution possible, je vais y revenir, oui, je crois que c'est celle-là quand même.